Alors, mon objectif ici à Dakar, au championnat d'Afrique, c'était de décrocher ma 5e médaille d'or au championnat d'Afrique successivement. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu le réaliser. Alors, c'est que le travail. Le travail est toujours rester focus, avoir une vie de sportif. Et puis, voilà, je pense que c'est ça. Alors, la vie de sportif, déjà, c'est d'être attentif à ce que le coach, le médecin, l'entourage te demande de faire pour ton bien, et aussi être assidu aux entraînements. Et puis, voilà. Et puis, beaucoup se reposer, entraînement, repos, voilà. Alors, je ne vais pas dire que la compétition était difficile, parce que les filles avaient aussi l'envie de me vaincre. Donc après, les filles se motivaient, et vu que moi aussi, j'étais là pour un objectif, donc voilà, on a bataillé, mais sinon les combats n'étaient pas faciles. Surtout la finale, la fille était grande, et au départ, elle me menait même, et puis bon, après j'ai pu prendre l'avance, mais en tout cas, je ne peux pas dire que c'était facile pour moi. Voilà. Bon, je représente la Côte d'Ivoire et aussi l'Afrique. Voilà, donc j'ai besoin du soutien des Ivoiriens, des Africains, de toute l'Afrique pour aller décrocher une belle médaille à Tokyo, Inch'Allah. Alors, je peux dire de croire en eux, de croire en leurs rêves, quel que soit dans le domaine où ils se trouvent. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et ensemble, on prie pour aller à Tokyo. Merci.